c'est le routier 76. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une marque française, Willem. Alors ça ne sera pas ce magnifique modèle que je vais vous présenter, mais le modèle LD610 Horizon. Alors le Louis Mazet, il a fait l'objet d'une vidéo il n'y a pas longtemps, mais là il va être accompagné par un porteur aux couleurs des pattes Panzani et un autre très beau aussi. Donc le LD610 a été produit de 56 à 62. Alors, le problème c'est que j'en ai un des deux mais je ne sais pas c'est lequel. Je ne sais pas faire la différence si celui-ci c'est le LD ou le TL101 qui lui a été produit de 62 à 70. Alors le premier, le LD, je pense que c'est celui-ci, avait un moteur 6 cylindres de 190 chevaux. Et le TL, qui doit être celui-ci, avait un moteur AEC qui pouvait aller jusqu'à 260 chevaux. Bon, ça n'a pas eu un grand succès, et malheureusement, la marque Willem a disparu. Un peu après 1970. Et donc là, on a un porteur. Et alors, ce camion-là, il a une particularité. Et Scania n'a rien inventé. Il n'y a pas de marchepied. En fait, il y en a un. Quand on ouvre la porte, la marche s'ouvre. Et ça, on l'a vu en vrai. Il y en avait un Horizon qui était exposé à Elbeuf en juin 2021. On espère le revoir en juin 2022 pour le rétro camion, car il va y avoir une deuxième édition. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce levé, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.